Nous nous retrouvons maintenant avec le Karaté Club de Caudry. Alors, bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que le Karaté Club de Caudry? Qu'est-ce que le karaté? C'est un club de karaté. Oui. Est-ce que vous voulez savoir de plus précis où est-ce que c'est? Oui, voilà. Qu'est-ce où ça se trouve? Merde, la salle Laït. D'accord. Et à Caudry, donc. C'est le lundi à... Non, c'est le jeudi. Oh là, on va couper tout ça. Hein. J'ai pas prévu de faire un discours. Je vais pas me tromper comme ça. Ça va venir. D'accord. Salle des tulistes, c'est pas ce qui me semblait. C'est la salle, si vous voulez, c'est une pièce, laïque, et le bâtiment, c'est les tulistes. C'est en face du lycée. Là. Bon, alors, peut-être qu'on parle enregistré. Ça passe en direct. Alors, si l'on veut s'inscrire, comment peut-on faire? Si on veut s'inscrire, déjà, on peut faire un essai, c'est gratuit. On se rend au club, donc c'est le jeudi à 18h30 jusqu'à 19h30. Et on peut faire un cours gratuitement, à l'essai. Il faut simplement un certificat médical et une tenue adéquate. Pas besoin d'avoir un kimono, comme c'est un essai en survêtement, autre. Il n'y a aucun problème. Il faut le certificat médical qui, de toute façon, servira. Si la personne choisit de faire du karaté, même si elle va dans un autre sport. Hein. Posez-moi des questions. Comment peut-on vous joindre? Est-ce que vous avez un Facebook, un site internet? Il y a Facebook, il y a un site internet sur Caudry. Il y a le téléphone 03 27 74 94 14 06 86 40 33 08. Mais le plus simple, c'est de se rendre pendant les cours. Hein. Alors, il y a d'autres clubs dans la région. Il y a Caudry, il y a Cambrai, il y a Ivry, Proville, Neuville-Saint-Rémy, je dois en oublier, Aspre, les Rues des Vignes. Bon, voilà quelques-uns. Mais en téléphonant, on vous donnera tous les. On vous conseillera sur celui qui est le plus proche. On vous conseillera aussi sur le plus adapté à l'âge. Hein. Il y a des clubs où c'est que des cours enfants. Le karaté, si, il existe à Caudry depuis 1976, le même club. On a commencé en... C'est le judo à l'époque qui était venu nous chercher. Monsieur Langrand, qui doit être décédé maintenant, qui avait le club de judo, qui voulait une section karaté. Donc nous y sommes allés, on est toujours à Caudry. C'est très bien. Ben, merci beaucoup, monsieur. De rien. Bon après-midi. Alors, nous nous retrouvons avec l'association de Krav Maga, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc là, c'est une nouvelle association qui vient d'être créée cette année. Donc, c'est Esprit Martial Caudry. Donc, on fait du Krav Maga, de la self-défense. Les cours sont le lundi et le jeudi de 21h à 22h15. Voilà, je mets un petit flyer si ça vous intéresse. Et pour présenter un petit peu le Krav Maga, l'idée c'est, pour vous donner une image, c'est ce que la police utilise, police, gendarmerie. Voilà, là-bas c'est une méthode de self-défense israélienne qui a été créée du coup en Israël pour l'armée. Par de nombreux groupes d'intervention d'élite, comme aux États-Unis c'est les Marines, en France le RAID, GIGN, et nous on l'adapte aux civils. Voilà, donc pour prévenir différents types d'agressions qui peuvent arriver en ville, tout ce qui est pieds-poings, agression pieds-poings, tout ce qui est menace, étranglement, saisie, projection, compagnie. Et on a aussi un petit travail avec des armes, donc couteau, pistolet, matraque. Voilà. Alors, si nous voulons vous joindre, comment peut-on faire? Est-ce que vous avez une page Facebook? Alors, pour me joindre, j'ai pas de page Facebook. J'ai la page Facebook, mais c'est ma page Facebook personnelle, hein, Boris Boucher. Sinon, j'ai un numéro de téléphone au 06 43 68 75 11.
et une adresse mail, boris.bouche@hotmail.fr. Bon, je peux la remettre un petit peu si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous voulez faire un essai, vous êtes les bienvenus. Deux séances d'essai sont possibles avec certificat médical. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Alors, nous sommes ensuite avec le Fighting Academy. Donc, Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que votre association ? Alors nous, on a un stand, mais en fait, sur le même stand, il y a deux clubs de boxe. Il y a la Fighting Academy, qui est mon école de boxe thaï et de MMA, mais aussi l'école de boxe anglaise, le club de Ray Framchon, Caudry, qui malheureusement est absent, malheureusement pour le décès de la maman de l'entraîneur, qui ne peut pas être présent en ce moment, malheureusement. Donc voilà. Alors, comment peut-on vous contacter ? Alors, on a un Facebook au nom de la Fighting Academy et aussi sur mon numéro de téléphone. Mais bon, il vaut mieux passer quand même sur le Facebook parce que c'est plus difficile à gérer les appels téléphoniques quand on travaille quoi, ou le week-end. Donc, sur le Facebook de la Fighting Academy. Okay. Quand ont lieu les entraînements ? Alors nous reprenons lundi 20h, 20h, 22h, mercredi donc les enfants 18h, 19h30, donc pour les enfants de 8 ans à 13 ans, et on suivi par les cours adultes 19h30, 21h30, à la salle de boxe rue Osbert à Caudry. Merci beaucoup à vous. De rien, bon après-midi. Au revoir. Combien qu'elle demande. Oui. Une dernière question, combien avez-vous d'adhérents ? Alors, vu qu'on a une petite salle, on est obligé de limiter les adhérents. On attend de voir avec la mairie pour nous trouver une grande salle pour fusionner les deux clubs de boxe. Et peut-être d'autres clubs d'arts martiaux, comme le nouveau club de Krav Maga qui vient d'arriver sur Caudry, ainsi que peut-être la Capoeira. Ce sera bien. Donc, monsieur Bricou, on attend une grande salle. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous faites des combats, vous faites des concours, des choses comme ça ? On devait cette année, mais ça a été un petit peu compliqué. Avec le Covid, on avait préparé les gars pour le championnat régional. Malheureusement, il avait lieu une semaine après le confinement, donc ça a été annulé. Cette année, on attend de voir les mises en place des réglementations pour le faire, voir si ça va être organisé et comment. Donc oui, sinon, on attend que ça, de faire de la compétition. Alors y a-t-il un âge pour rentrer dans votre club ? Ouais, alors nous on prend les enfants à partir de 8 ans. 8 ans, 13 ans. Et ensuite de 13 ans jusqu'à l'âge adulte pour les cours adultes. Parce que le plus jeune, donc c'est-à-dire de 4 ans à 8 ans, c'est un créneau particulier. C'est encore beaucoup de jeux, tout sous forme de jeu, il n'y a pas tellement d'affrontements. Et moi je suis artisan, donc j'ai déjà du mal un petit peu à gérer. Donc si je devais rajouter un créneau supplémentaire avec les jeunes enfants, ce serait un peu compliqué pour moi. Donc à partir de 8 ans chez nous. Merci Fabrice. De rien, merci. Merci beaucoup. Bon week-end. Donc nous sommes maintenant avec l'école de danse de Caudry. Un peu occupée. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Alors, l'école de danse de Caudry, c'est quoi ? Alors, nous sommes une école qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais qui a changé un petit peu depuis quelques temps, puisque on a un état d'esprit plutôt familial. Donc, on ne se présente pas comme une école élitiste. On veut vraiment que les gens prennent d'abord plaisir à danser. Pour nous, c'est l'essentiel. Donc, il y a une rigueur à respecter, parce que voilà, la danse, il faut une certaine rigueur pour l'exercer. Mais voilà, on ne cherche pas à pousser les enfants, ils vont à leur rythme. Et surtout, il faut qu'ils prennent du plaisir. C'est leur bien-être avant tout. Combien
adhérents comptez-vous ? Alors, on a 150 adhérents et 3 salariés. On a 3 profs de danse. Sarah Gorgi en classique, qui est diplômée d'État. Bérangère Gossard en jazz, qui est également diplômée d'État. Et Alison Yol en hip-hop. Bon, là, pour cette discipline, il n'y a pas de diplôme d'État, mais on va dire qu'elle est diplômée d'État d'esprit de la culture hip-hop. Comment pouvons-nous vous contacter ? Alors, c'est très simple, on est très présent sur Facebook, à École de danse de Caudry, tout simplement. C'est même notre moyen de communication principal parce que c'est moi qui gère et je suis très réactive sur mon téléphone, je l'ai toujours sur moi. Donc sinon, on a également possibilité de nous contacter par mail et par téléphone, mais les réponses sont un petit peu plus longues, on gère un peu moins bien. Avez-vous le numéro de téléphone ? Oui, donc c'est, là je suis obligée de tricher, 06 62 50 36 90. Et l'école, le mail, c'est écolededansedecaudry@gmail.com. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne journée, bon week-end. Nous sommes maintenant avec le club de handball de Caudry. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un club de hand, comme le nom l'indique, qui va à partir de 4 ans, donc des baby hand jusqu'aux seniors, donc les plus vieux. Sachant qu'on a des équipes loisirs, garçons et filles. Combien avez-vous d'adhérents aujourd'hui ? Environ 200. 200 licenciés à peu près. Pour l'instant, mais après, on espère que ça va augmenter pour atteindre les 300 à partir de 4 ans. À partir de 4 ans, le samedi matin, on accueille le samedi matin à partir de 4 ans. Je me répète beaucoup, non ? Il faut aller sur le site internet du club, donc www.caudry-handball.fr, où il y a tous les renseignements nécessaires pour pouvoir nous rejoindre à la salle Coubertin. Le Waza Ikidoko, on va dire. Le Waza. Bah, c'est un club à peu près de Caudry en fait. Je crois qu'on existe depuis une quinzaine d'années si j'ai bonne mémoire. Et donc voilà, après ouais, je sais pas ce que. Une quinzaine d'années ? Ouais. Pouvoir avec Max, celui qui sait plus que moi. Vous voyez avec lui. À nous contacter, donc on a une page Facebook, un Waza Aikido Club Caudrésien. Durant nos créneaux de. Mercredi. À 81 13 62. Voilà. La salle
les enfants. Il y a plusieurs enfants. Continuer à pratiquer ce sport comme il faut. Voilà. Moyenne section. Oui. Où on va dire que les enfants sont plus conditionnés pour l'aïkido. La corpulence. Nous sommes maintenant avec l'école Ascendance. Bonjour. En fait, on apprentissage. Bah, on est une vingtaine, moi je suis la plus grande d'entre nous. 12. Nous voulons vous contacter. Donc c'est Ascendance. Donc vous pouvez nous contacter, on est disponible. Il est ici, donc donc 06 76 24. Merci. Donc nous étions avec Ascendance, que nous pourrons retrouver cet après-midi jusqu'à 18h dans la galerie commerciale Leclerc. Nous sommes maintenant avec le club. Sur la quadrille de. Qui est à base issue donc, des esclaves qui étaient là pour se protéger. Où, Et tout autour, une série de personnes qui vont être là pour un peu animer. Bonne question. Ouais, plus 40. Et à Caudry. Enfants, adultes, comprenez. Les enfants, vous les acceptez à partir. Contactez. Sur le site internet, tout simplement. C'est Fio.
Juste